Bonsoir. Voilà donc possiblement l'épisode final. Après je sais pas, tout dépend des contenus qu'on débloquera après, ou alors si je ferai peut-être un épisode pour montrer. On verra, on verra. Mais probablement le final parce que l'épisode d'avant j'avais mis sur pause. Je préviens juste que pour les gens qui regardent par curiosité, quand je vais des pauses, ça montrera je pense le boss final. Parce que ouais, je pense que ça va être le boss final. Je pense que probablement, présumément, que ça que c'est le boss final. Du coup, je vais attendre quelques secondes parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui cliquent sur les vidéos au pif. Je crois que la personne se fait spoil. Donc voilà. Mais boss présumé final. Puis moi, je me focus dessus. Puis je pense que, j'espère que l'OST sera goldé et que le fight sera bien et que je vais pas crever. Ah bon, il y a toujours les checkpoints. Checkpoints. D'ici 1 minute, je coupe mon micro et je lance. Voilà. Ah oui, non, mais je suis sur pause, je suis sur quoi? Ok, je lance maintenant. Deux secondes, je vérifie tout s'il n'y a pas un problème. Pas de soin double. Ok. Yeah.
force feeds these flames. I sense more here than mere will. Is this Logos? Have you truly become free? No, I forbid it. You are not a god. You are but flesh and bone. You are not one of us. I created you, all of you. And what is mine is mine to destroy. Once, perhaps. But we are no longer yours. Our flames are our own, and they burn as one! Upon his master.
No. No. My will is inviolable. Something is wrong. You're afraid. You always have been. From the moment the Blight exposed what you were, weak, you conceived us to prove otherwise. But the result shook you to the core. For in us you saw yourself, and realized we had the potential to be more than you could ever be, and so you turned your back on your creation. Your back on the world, like the coward you are. You think you know me? You know nothing, Logos. Nothing! Thank you.
Mine is the altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all. And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same. Thank you.
sure of your place atop the world. You refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. And so you shunned the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you. You are anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters. And it is they who will give me the strength to end your reign. Putain. Ok. Alors déjà l'OST, surtout l'OST de la, ouais, l'OST surtout de la phase 3, putain, c'était bien. Voilà quoi. Là au moins, voilà, là j'ai retrouvé Sokan de FF14 au niveau de l'OST. C'était clairement pas discret, c'était excellent. Il y a une phase qui m'a un peu fait chier. En fait, pas vraiment chier parce que voilà, elle était vraiment bien. C'était la phase 2 dans l'espace. Visuellement, c'était ultra stylé. Mais il y avait beaucoup trop d'effets en fait, et à un moment j'étais à la limite d'aller prendre une pause de 2-3 minutes parce que ça commençait à me rendre un petit peu malade. J'ai un peu de la peine quand il y a trop d'effets lumineux comme ça. C'est un petit peu comme ça m'a fait à peu près quand le troisième raid de Nier Automata était sorti en 14 contre la fille en rouge là. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes parce que c'était juste intolérable les effets, sans compter que le fight en plein milieu te fout un putain de jumpscare. Donc c'était juste n'importe quoi, mais ouais bordel, le fight était excellent, un peu dur par contre. C'est un fight en mode de difficulté maximum. Je sais pas trop comment les modes hard marchent dans ce jeu, mais c'est un fight qui risque d'être extrêmement tendu en mode hard ou very hard, ou je sais pas trop quoi, je sais pas comment ça marche. Je crois que c'est le mode Final Fantasy ou bien Ultimania, je sais pas trop quoi. Ils auraient pu appeler ça Savage ou bien Ultimate, enfin bref. Ouais, le fight était excellent. Par contre, il faudrait juste que j'aille pisser. Donc, une minute. Bon. Alors, d'un coup, ils nous font quoi? Ce n'était pas le boss de fin. C'était son. Putain. Imagine. En fait, le chien, c'est le boss final.
imagine will befall this world now that you have gained your precious freedom? I honestly don't know. But I doubt it will be pretty. A sorry tale of sin and suffering, hardship and pain. And it was for this that you fought so fiercely? Why? It's who we are. We fight. We survive. We endure. We don't need a reason. We are imperfect creatures. When we stumble, we reach for a shoulder to lean on. When we fall, we stand back up. We see the horizon, ever out of reach, and still we march on. Certain the answers lie just beyond it. Because that is our way. My congratulations. Relish this victory, knowing that you have but delayed the inevitable. Your world is already dead. May you enjoy an eternity on its blackened husk.
seems Ultima's power was too great for this vessel all along. But while I have it, perhaps I can use it to set things right. And see Ultima's legacy. Bearers, dominance, crystals, magic. Consigned to the flames. Even if it means the end of me. Ah, c'est parti. A sky of scattered tears, a thousand years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. If you need a rest, I can take it. Still,
please. That's what Sid wanted. That's what they both wanted. Journey end. Tsuki akari yanagi ga yureru watashi wa robo no tsubu de omoi haseru anata no sugata hitsuji wo kasoeru youni. Merde. Je vais laisser le staff. Bah, il y a 2-3 trucs à dire. Il y a un truc là qui m'a interpellé et je doute que l'autre soit mort. Je doute très fortement. Et il y a aussi un truc qui m'a vachement interpellé, l'espèce de point rouge à côté de la lune. Enfin, je parlerai après. Parce que là, je crois qu'on n'entend rien ce que je dis. Mais
Ok, je pense que je peux speed up un peu là. Bon, ouais, attends, ouais, ok. Non, je prendrai quand c'est fini parce que je pense que la plupart des gens ont skippé. Je laisse les crédits en général. Ah, OST. Ok, c'est dès qu'on a déjà entendu. Ouais, parce qu'en fait, le truc là qui est apparu. Ouais, non, mais attends, attends. Par contre, j'aurais bien aimé que ce soit pas fini en fait. J'aurais bien aimé que ce soit pas fini parce que putain, quel jeu. Bon, il y aura tous les coups une scène post-crédit. Mais ouais, je doute que Clive soit dead. Et ouais. Bah putain, ça aurait fait 2 heures de vidéo si j'aurais laissé à vitesse normale. Je veux pas prendre le risque de skipper si ça skip ce qu'il y a après. Waouh. Putain, ça fait longtemps que j'avais plus vu un staff aussi long que ça. Ah. Ouais, alors j'espère que ce soit la même team avec une de, genre le, vraiment que la scénariste de Shadowbringer qui s'occupe Shadowbringer et Walker qui s'occupe du scénario, pas principalement celle de Suite Event Sword et puis un petit peu de Shadowbringer. Mais je veux que le prochain FF ce soit aussi Yoshida qui soit dessus, sans déconner. Every time. Will you light it? Yes, Mother. Come on. If only I had the flames for an icon. Icon? Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. You see? Well done. Now, be a good lad, and play with your brother until supper. Come on! Hurry! Hurry! Right! Non mais alors, combien de personnes ont fini le jeu? Putain, quelle bande de casus. Pas beaucoup qui l'ont fini, hein. Peut-être ce garde de fin. Ok, bon. Ok, ok, je pense que je vais faire un petit peu voir ce qu'on a débloqué. Ok, tout d'abord, comme ça s'est fini là, sans déconner, je pense que le jeu aura... Bon, c'est pas 14, donc faut pas compter sur une série de patchs qui va ajouter du contenu additionnel, à part si Yoshipi décide de faire exactement la même logique de suivi que 14, c'est-à-dire que il y a encore pour une trentaine, une quarantaine d'heures de jeu par du contenu post-game, hein. Soit des DLC, franchement, bon, pas qu'ils fassent les DLC comme FF15, hein, parce que FF15, le jeu était pas fini, sans déconner. Parce que là, oui, là, le jeu est fini, mais le truc qui m'a interpellé le plus, c'est l'espèce de boule rouge, enfin de point rouge qu'il y avait à côté de la lune. Parce que ce point rouge là, il est pas apparu qu'à la fin. Et on pouvait déjà voir, si on faisait un petit peu gaffe, on pouvait déjà voir in-game ce point rouge. Et moi, ça me fait grave penser à Dalamund de FF14. Mais ça me fait directement penser à ça. Moi, je pense pas qu'ils vont garder la même chose.
Ouais, ça me fait grave, grave, grave penser à ça. Et déjà, je doute que Clive soit vraiment mort. Bon, la scène là, à la fin, j'ai un peu compris ce qu'elle représentait, mais voilà. C'est dans le futur. Mais ouais, et apparemment, si, en regardant un petit peu dans le lore, on s'aperçoit que, bon, tout d'abord, il y a les autres pays qu'ils n'ont pas visités, hein, qu'ils n'ont pas été les autres continents. Mais de ce que j'ai compris, il y a quatre, il y avait huit cristaux en tout, et non pas quatre. Hein. Alors, il y en a eu quatre qu'on a détruits, et il y a encore Léviathan, tout ça. Donc, je pense pas que ce soit l'épisode final. Je pense pas que ce sera l'épisode final, parce que je doute que le jeu soit fini. Alors, attends, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc par rapport à Dalamund, faut juste que je revienne dessus. Dans FF14, donc pour 14, donc la 1.0 était à chier. Hein, soyons clairs. Est-ce qu'a fait Yoshida, quand il a repris le contrôle de FF14, il a un peu dit bon, on détruit tout, et on recommence. Est-ce qu'il a fait dans 14, c'est qu'il a fait, qu'il s'est fait, il a fait écraser Dalamund sur Terre, sur la, sur le, sur. Je sais pas si c'est un spoiler de dire le nom du monde de FF14. Bon, je pense pas. Il a fait écraser Dalamund sur la, qui était une lune artificielle, sur Eterris, et ça a tout détruit en fait. Enfin, quasiment tout détruit, voilà, ça a quasiment tout détruit. Et ça, alors je me demande si Jean Yoshida a dit, ah, ok, les gens n'aiment pas le jeu. Non, le jeu a été bien apprécié. Il y a eu des critiques, mais je le dis clairement, les critiques qu'on pouvait dire sur le jeu, elles ont clairement pas joué. Ils ont clairement pas joué, ils ont pas dépassé les 2 heures de jeu, parce que vraiment, c'est un putain de bon RP, un putain de bon RPG. Pas aussi bon que Shadowbringers Endwalker. Sans déconner, c'est pas possible. Je pense pas que Square arrivera à atteindre ce niveau une fois. Mais peut-être qu'il aurait mieux de faire écraser la lune sur FF15, pardon, FF16, dans le monde de FF16, si les gens n'aimaient pas. Et de dire, ben, tiens, t'aimes pas, alors on refait tout et on sort le meilleur jeu du monde. Voilà. Mais ouais, ça m'a interpellé le coup là. Mais. Alors ouais, sans déconner. Bon maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on a débloqué. Et moi je vais, ah voilà quoi. Final, j'aurais bien aimé 50 épisodes, mais bon. L'épopée est terminée. L'option New Game Plus était sur une mission. Elle permet de recommencer le jeu concernant le port de clé avec Resto. Donner la partie 20. En commençant, il est également plus. Alors c'est nouveau. Ah mais y a pas. C'est plus puissant. Limite de niveau qui passe à 100. Nouveaux équipements accessoires, nouveaux explosifs. D'accord, attends. Ah, donc, alors qu'est-ce qui se passe si je charge déjà ma partie? On va regarder ce qui se passe quand je charge. L'équipe a changé. Pas de sous-quête. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'on a absorbé Ultima à un moment, si on a vu. Non, non, ça reprend. Oh putain de merde, ça me fait presque chier de l'avoir fini. Ça me fait presque chier, pas j'en veux plus. Ouais. Après, bon, le jeu a quand même des petits défauts. Il y a des phases que j'ai trouvées vraiment chiantes, hein, soyons clairs. Sur le forgeron. Il y a des phases que j'ai trouvées un tout petit peu chiantes, hein. D'accord. Mais. Pour moi, la pire erreur du jeu. Attendez, est-ce que ça. Ouais, non. La pire erreur du jeu, pour moi, le jeu où a fait la pire connerie, c'est le changement de météo. Je trouve qu'il aurait dû arriver genre beaucoup plus tard. Parce que voilà, ça pour moi, ça a été la pire erreur du jeu en fait. C'était ce changement de météo, je trouve. Qui a rendu un petit peu la tonalité du tout fade. Mais si je devrais donner une note, ce sera en bon 9 sur 5. Ce sera en bon 9 sur 5. Ouais, ce sera un bon 9 sur 5. Mais écoutez, on va revenir à l'écran titre. Et peut-être que je ferai une vidéo bonus pour voir un petit peu comment se passe le New Game Plus. Mais voilà, bonne soirée. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore des vidéos sur le 16. Mais pour en termes d'histoire, là, j'espère que pour le moment, ouais, pour le moment, hein, pour le moment, c'est fini. Voilà.